Hey à tout le monde, c'est Jax et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière sur le jeu MotoGP en Rookies Cup pour la troisième manche du championnat. On se déplace à Assen aux Pays-Bas, j'adore ce Grand Prix et on va essayer de faire toujours mieux que ce qu'on a fait au Mugello où on a fini 5ème à cause des pneus totalement défaillants en fin de course alors qu'on avait pris plutôt un très bon départ, mais encore une fois des erreurs qui viennent un peu gâcher un week-end qui pouvait se conclure sur le podium. Mais bon, là à Assen je pars confiant, j'adore ce circuit. J'ai déjà fait les qualifs, donc voilà, on va partir sur ce format où les qualifs sont déjà faites. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que je suis plutôt à l'aise sur ce circuit. La pole position avec plus de 2 secondes d'avance. Et oui, en 120%, la difficulté la plus importante. Mais je sais que sur ce circuit-là, l'IA est pas forcément la plus rapide. Mais moi, je sais que sur ce circuit, j'adore, j'adhère totalement. C'est un gros kiff. Alors, on va en profiter pour... Je mets les pneus neufs, hein, bien sûr. Et on est parti. Voilà la grille de départ. Bon, il n'y a pas eu trop d'opposition. On est le seul à tourner en 1.47. Est-ce que ça va être la tendance en course? Je sais pas. Habituellement, bon, en général, il y a soit elle est très lente en qualif et un peu plus rapide en course, soit c'est l'inverse. Elle est un peu plus lente en qualif. Enfin, elle est un peu plus rapide en qualif et un peu plus lente en course. Donc là, je sais pas. On verra un petit peu. Ce qu'il en sera. Plus que quelques minutes avant le début du Grand Prix. Allez. Assen, l'université de la moto, va une fois encore. C'est peut-être notre meilleure chance d'aller chercher un podium ou une victoire. On va pas se le cacher. J'espère quand même la victoire sur ce circuit. Envol difficile. On prend vraiment pas un bon envol. Alors on va essayer de s'installer au commandement le plus rapidement possible. Oula, on nous a un peu. Oula là. On a été embarqué à l'extérieur. Bon, on va essayer de choper vite fait la première place. Ils sont agressifs en ce début de course. Ils sont agressifs. Oh, chute. Oh, j'ai failli me faire harponner. Oh la vache. D'ailleurs, c'est la chute massive. Hein. Oh la vache, j'ai failli me faire harponner. Ah, ça mérite, un petit replay là parce que. Ah, je suis pas passé loin de m'être farponné. Hein. Pou 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 pou. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Caméra libre, je ne sais jamais. Je ne sais jamais comment on prend la caméra libre. Non, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Bon, c'est pas grave, je retrouverai pas, tant pis. Mais j'ai failli me faire harponner. Ça a failli être violent là, le départ agressif de l'IA. Allez, nous on profite pour remonter au troisième rang. On reprend même le deuxième place. Allez, doublé Kuni le plus rapidement possible.
Ouf, l'extérieur, oh, c'est agressif. C'est un peu osé là. On perd beaucoup. En tout cas, départ explosif. Hein. C'est un peu forcé un peu partout et. Là, c'est pas passé. Hein. Bon, je pense qu'aucun gros favori n'a été. A été pris dans cette chute. Léger contact avec Kuni. Ouf, on en double. Allez, c'est maintenant que je m'échappe. De toute façon, j'ai normalement un meilleur rythme que tout le monde. Hein. L'IA pas forcément très à l'aise dans l'enchaînement de courbes rapides. Ah, il y a Felon qui a été pris dedans, du Pasquier encore. Bon, c'est à peu près toujours les mêmes. Hein. Mais non! Je me suis totalement loupé. Oh là là, je parlais, j'ai pas regardé. Oh la vache, lui il est rentré fort. Ah ouais, je parle et j'allais continuer tout droit là. Là je partais tout droit. Oh, ce Lia elle est agressive, hein, la vache! Ah oui, t'es agressif. Allez, on le redouble. Ah, le con. Ouais, c'est un beau duel avec Tate là. J'ai failli perdre le contrôle. Ouf. Eh oui, c'est ce qui devait arriver, arriva. Ah, Tate, on se gêne mutuellement, c'est pas bon. Voilà, là, je suis en train de perdre toute chance de victoire à force. On a failli se mettre encore dehors. Faut que j'arrive vraiment à faire la différence dans ces courbes là. Il a failli me prendre l'arrière. Il y a vraiment agressif dans ce début de course. J'arrive à revenir sur Kuni. Alors je peux pas perdre ce Grand Prix, hein. C'est mon Grand Prix. Là je sors de deux tours catastrophiques. Oh là là. Je fais n'importe quoi. Et oui, 4 secondes 4. Et du coup, ça revient sur moi. Ouf, ils sont tous loupés. Tant mieux. Allez, on se reconcentre.
On se concentre, on essaie de revenir sur sur Kuni. 4 secondes, 1. C'est rattrapable. Enfin, j'espère. Ouf. Accélérer comme ça sur le livoire, pas spécialement recommandé. Ah, et là, c'est un temps qui va être impeccable. 47-6. Prochain tour, on est au contact, hein, je pense. Je pense que prochain tour, c'est le contact, même avant la fin du tour. Ah, on prend des secondes de pénalité, on prend des... Ouais, bon. Normalement, on les aura largement, on aura largement des secondes d'avance, hein. Ah, oui. Large. J'ai l'impression que dans le dernier secteur, je reprends pas mal de temps. Hein. Surtout dans la dernière... ce passage là. Ah ouais, je reviens là, je reprends tout ici. Je pense que dans l'enchaînement, dans le T2, T3, on va commencer à pouvoir lancer les hostilités. Genre là. Ah, il freine tard le salaud. Passer, nos attaques ne passent pas pour l'instant. Ah, là ça passe. Et je pense que maintenant on va pouvoir s'échapper. Alors, je crois qu'il a fait une petite erreur. Allez. Maintenant, on s'échappe et on va aller chercher notre première victoire.
Pourtant, on n'a pas eu de... les deux premiers grands prix, on les a... ils n'étaient pas très simples, pas évidents. Pas forcément à l'aise sur les circuits. Alors là, ici, on va pas laisser échapper cette occasion d'aller chercher une victoire, notre première. Et puis là, on est au-dessus, là, on est sur, vraiment sur une autre planète sur ce circuit. Oh lolo, oh lolo. Ouais, un peu plus, c'était la chute. En vrai, j'ai pas tant besoin d'en faire de trop. Hein. L'avance que j'ai là est même largement suffisante. Ah, ça guidonne, ça guidonne. J'aurais pu prendre une pénalité pour ça. Hein. J'aurais pu prendre une pénalité pour ça. Je fais quand même pas mal d'erreurs. Hein. Allez. En seconde 3, hein, c'est... Ouh, j'ai failli la perdre. Sur le balancement, sur la... Quand le pilote s'est balancé sur la moto, on a... Enfin, j'ai failli tomber. Alors là, ça aurait été terrible. Hein. La perdre là... Ça aurait été terrible. Je pense que là, mon temps, j'ai quand même bien haussé le rythme. Et ouais, c'est mes meilleurs temps. On signe le meilleur temps sur une... Alors qu'on aura presque failli chuter dans la portion qui arrive là. Je me demande si c'est pas la petite bosse qu'il y a là qui fait que j'ai freiné dessus, enfin j'ai fait le changement d'angle dessus. Et ça m'a peut-être un petit peu projeté, je sais pas. C'est possible. J'ai l'impression qu'il y a quand même une petite... Bon, allez. Elle est pas oufissime, la bosse, mais... Il suffit de pas grand-chose, en général, pour qu'elle parte, mais... Après, je m'étonne que j'ai plus de pneus, mais que je flingue mes pneus très vite, mais bon, c'est sûr qu'en faisant ça,
sais pas pourquoi, mais je me sens hyper à l'aise sur circuit. Autant sur les autres, je sentais que j'étais à la limite. Mais sur celui-là, je suis sûr que je pourrais descendre en dessous d'une 47. Parce que j'ai surpiloté les 5 premiers tours, j'ai surpiloté. Mugello un peu aussi. Parce que je savais que de toute façon j'étais très loin des califs, donc je savais que ça allait être compliqué. Mais alors autant là. Ah, j'en mérite une autre, bah oui, non, mais c'est sûr, je coupe. Bon, la pénalité par rapport au gain gagné un peu disproportionnée, mais j'en mérite un petit peu plus. Ici j'arrive vraiment pas à... Par contre ici j'arrive pas à garder la trajectoire. Pour le spectacle. Parce que là on est en train de le tuer le spectacle hein. Et avec une erreur, donc imaginez sans erreur. Si j'étais parti dès le début, voilà, ce serait un... Ouais, il n'y aurait même pas eu de course, hein. Là je pense que j'aurais 9 et quelques... enfin j'aurais plus de 10 secondes d'avance. Ça aurait été un véritable no match. Déjà que là c'en est un. Allez, 7 secondes 8 d'avance. Moi qui suis habituellement toujours pointé à plus de 10 secondes à chaque Grand Prix. C'est une belle revanche. C'est une belle revanche qu'on est en train de prendre. Arrière est un peu mort, commence à sentir. Puis alors là où je le sens le plus, c'est ici. Hein. Là, ici, ouais, ici c'est. Bon, là ça a pas trop fait. Mais sur les précédents passages, c'est vrai que ça a tendance un petit peu à bouger de l'arrière, c'est beau, c'est propre. Enfin, moi, j'aime bien moi quand ça bouge comme ça. C'est pas vraiment propre, mais. Moi, j'aime bien quand ça bouge un peu comme ça. Quand je flirte un peu avec la limite. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais je pense que là, on fait un temps vraiment pas mal. Et oui, une 47-0-85. Bon là on est large. Allez, plus que 3 tours pour aller chercher notre première victoire. La pole, le meilleur temps au tour et la victoire. Ce serait vraiment le perfect. Ce virage là me fait un peu peur. Enfin cet enchaînement là parce que... J'ai le sentiment que je pourrais la perdre sous changement d'angle. Donc...
Ça bouge, ça bouge. Mais pour l'instant, ça ne nous empêche pas de nous envoler vers le tout premier succès de notre carrière. C'est tendu, hein. C'est vraiment tendu. Allez, on reprend une pénalité. On a une seconde, une de pénalité, hein, ben, ben Dieu. Mais les deux sont mérités et je les prends les deux fois au même endroit. Hein. Enfin, les trois fois, je les ai pris et trois fois au même endroit. Mais bon, pénalité ou pas, on est largement devant. Et toujours en 1,47, on est régule. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Voilà, mon dernier tour. On a l'attaque. Je pourrais assurer, hein. Là, je pourrais ne même pas chercher à aller faire un gros temps, hein, mais je sais pas, j'ai envie. J'ai envie de voir si c'est possible d'aller chercher c'est en dessous de 1,37 là. 1,47. Allez, on va pas tarder à basculer dans le dernier tour. Dernier tour de ce Grand Prix. Non, une 47-2. Un dernier tour d'honneur. Je pense qu'on leur met 15-20 secondes là. Bah en vrai je sais pas, mais on doit pas être bien loin de la quinzaine de secondes. De
ça, si on suit la logique, je leur mets 2 secondes 7. Vu que j'ai gardé plus ou moins mon rythme qualif, ça aurait dû faire plus de 30 secondes à la fin de la course. Mais là, 18. Secondes 9 d'avance. Ah, c'est une belle branlée. Hein. C'est une belle branlée. Ah, il lève pas la roue. Salaud! Bon. Bah... Sur ce circuit, il n'y a qu'un maître, il s'appelle Luca Milani. C'est ma première victoire, j'ai tourné 2 secondes 5 plus vite que tout le monde. Première victoire sur le circuit d'Assen devant Yuki Kuni et Carlos Tate. Salvador va perdre des points, ça c'est plutôt bon pour le championnat. Bon bah pas grand chose à dire, on a été un petit peu vraiment seul au monde sur ce Grand Prix. Personne, on a un petit peu quand même, bon... Un petit peu eu chaud au début quand même de la course. On a failli se faire harponner assez vénère. Quelques petites erreurs ici et là. Et bon, là ça y est, j'ai bien repris le rythme de la course. J'ai repris le commandement et je me suis cette fois-ci envolé pour de bon. Et là au classement pilote, Yuki Kuni toujours leader avec 65 points devant Carlos Tate qui pointe à 13 points. Je suis 3ème à 16 points du leader. Je passe donc David Salvador qui rétrograde à la 4ème place à 20 points. Donc le titre devrait se jouer entre nous 4. Je ne dois pas Noguchi nous rattraper. Ce pilote a réussi à impeccable. Et oui, c'est moi. C'est fait les mecs. C'est beau, c'est beau. Quelle belle image. La belle image. Bon alors là, vous voyez, ce genre de truc qui manquerait peut-être un petit podium à la F1 avec nous dessus. Mais bon, là après, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Voilà, voilà. Prochain rendez-vous. Le Grand Prix... d'Allemagne, le Grand Prix du Sachsenring. Alors je suis pas particulièrement à l'aise dessus, mais je pense qu'il y a moyen d'aller chercher quelque chose. C'est quand même des courbes assez rapides également. Donc voilà, le premier secteur qui est un peu plus lent, le reste est assez rapide. Il y a matière à tirer son épingle du jeu. Mais moi là où je vais vraiment être bien, c'est celui-là, le Red Bull Ring Spielberg et le Grand Prix de Misano. Après Aragon, un petit peu moins, mais bon, ça va, ça devrait le faire aussi. Voilà, voilà. C'est donc ici que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. On a enfin assisté à la victoire en ce début, enfin sur ce championnat. J'avais de bon espoir au Mugello, bah, ça se sera reporté sur le Grand Prix suivant à Assen. Voilà, voilà, on se retrouvera quant à nous pour de prochaines vidéos. Allez, bye bye tout le monde!